De la visite. Je veux qu'on retourne toute la zone.
toi, Nora. Quand est-ce qu'Abby était ici? Je suis pas stupide. Tu vas nous dire où elle est partie. Quand Isaac nous posera des questions, je lui dirai ce qui s'est passé d'après moi. Fais-toi plaisir, j'ai encore du travail. Nora, je refuse de payer le prix fort à toi. Crie pas. Pose tout ça. Tu me reconnais ? Ouais. Tu me reconnais. Qu'est-ce que tu veux ? Abby est venue ici. Où elle est maintenant? J'en sais rien. Si tu tires, le bruit va rameuter tous nos soldats. Ouais, mais tu seras morte. Dis-moi où elle est, et peut-être que je te laisserai partir. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Mais vous auriez jamais dû foutre les pieds à Jackson. Où est Abby? Tu les entends encore, ces cris? Quoi? Je les entends toutes les nuits. Ouais. Ouais, ce fils de pute a eu ce qu'il méritait. Espèce de sale! Malaise! Une intruse! Je te tiens!
une arme par terre. Non, arrête, attends. Ok. Jette ton arme. Écoute, t'es pas obligé de faire ça. Ferme ta gueule. Jette ton arme, main en l'air. Faut d'accord. T'as nulle part où aller. Non. Attends. Peu importe, il faut qu'on la trouve. Salut, Nora. Oh non. Abby.
vie. Tu respires des spores. C'est toi, la fille. T'es une luciole? Les lucioles n'existent plus maintenant. Où est Abby, hein? Je vais mourir de toute façon, pourquoi je te le dirai? Parce que je peux t'achever. Ou te faire souffrir. Pense un peu à ce qu'il a fait. Combien de gens sont morts à cause de lui? Dernière chance. Je trahirai pas mon ami. C'est moi. Ellie. Tu vas bien? Putain. C'est ton sang, ça? Elle s'est planquée dans un aquarium. On va nettoyer tes plaies. Lève les bras. Je l'ai fait parler. Hé. Ça va aller. Je veux pas te perdre. Tant mieux.
Vous avez laissé tout un tas de trucs. Allez. Il doit bien y avoir quelque chose. Pourquoi vous êtes tous partis ? Ça. Avec ceux qui voulaient prendre en chasse le contrebandier et la fille. D'après les autres, même si on la trouvait ou si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. Si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne... Allez ! Viens là. T'es complètement folle. Tu peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. T'aurais dû me prévenir. Au lieu de me laisser un mot à la con. Dis-moi, ce qui s'est passé ici. Si tu mens encore une fois, je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Peu importe ce que c'est.
Et dis la vérité. Joël. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Dina, Jessie, faites la guerre, pas l'amour. Tiens, regarde Joël, c'est ton préféré. Dina, Jessie. Ils sont où tous les deux? Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte.
Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. Ouais. On s'en tape. On va chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant. Salut. Salut, toi. Il faut que tu viennes fermer la porte. Ok. En route. D'après ta carte, l'aquarium est sur la côte. Ça devrait être par là. Ouais. Oh. Comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Ok, vas-y. Ok. Qu'est-ce que t'as dit à Dina? Qu'on espérait trouver Tommy à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... Non, c'est bon. L'aquarium, c'est une base Wolf? Non, je crois pas. Nora a dit... Kaby se cache là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça? Ouais. Joël s'est brouillé avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais? À cause de quoi? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de la marchandise. Une bagarre a éclaté, il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Quelque chose pour toi? Non. En fait, j'aimerais bien mettre une chose au clair. Quand on aura trouvé Tommy, tu seras d'accord pour rentrer? Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. Qui vont foutre la merde à Jackson après ça.
Ça fait combien de temps que Dina est malade à ce point ? Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de wolves. Tu serais resté sur le cul. Ça m'étonne pas. Faut pas la chercher. Ok. Par ici. Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit ? Pour le bébé. Écoute, je suis sûre qu'elle t'en parlera quand. Qui t'a dit ça ? Le chef en personne. On s'assure que la voie est libre, on attend le reste des unités et on lance l'assaut. La dernière fois ? Ce sera pas comme la dernière fois. On a tous la trouille. Plutôt à ce qui va changer si on réussit. Voilà le travail. Ces wolves, ils ont la gâchette facile.
Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça, séraphites. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé ? Non. T'as de la chance.